Oh là là, on est des gentils ici. Alors ici nous avons mais le joli mois de l'Europe en Nouvelle-Aquitaine. Oh là là, un papillon dessous. C'est bizarre ça. Un papillon américain. Danaus plexippus, le monarque. Ou Danaus plexippus, le monarque donc. C'est bizarre quand même, hein. Papillon américain. Pour dire on est des gentils en France, hein. On est vert, hein. vert. On va voir ce qu'il y a derrière. Cet arrêt de bus. Oh là là, c'est super ici, c'est joli, que c'est joli. Là, une prairie, là. 20 mètres sur 20, à peu près. Bah, ils ont tondu, hein. Mais pas tondu pour faire des meules de foin, hein. Ils ont tondu parce que, bon, bah, il faut tondre, hein. Surtout que s'ils tondent pas, là, il risque d'y avoir des fleurs, hein, des orchidées, ou... Donc ils ont tondu là, il y a quelques fleurs qui repoussent, du trèfle blanc. Donc on voit là les lignes là de tonte. Donc ici ils adorent tondre mois de mai, le joli mois de mai. Hein. Donc ici là nous avons un rond-point aménagé. Ouais, c'est super joli. Oh là là, c'est super, c'est aménagé là. Hein. Donc là. Ah ben, y a une amélioration, hein, ça se voit. Des bâches, des petites touffes de graminées, hein, on ne sait pas d'où elles viennent. Hein. Ça, c'est des graminées, bon... D'où ça vient, ça C'est pas naturel ici, en tout cas, dans la région. Donc ici, les bâches, je vous montre là, par rapport à mes pieds, hein, l'échelle. Et puis là, ben là, ils ont rien fait. Oh là là, c'est vilain. Là, c'est vilain, par contre, pour eux. Donc les fleurs sauvages c'est vilain, et puis ça c'est graminé, sont vilaines, mais par contre eux, ils préfèrent ça là. Ah que c'est joli, qu'on est bien en France. Donc allez, nous allons voir ce qu'il y a là, de ce côté là. Ça mène vers le petit village là-bas, nous allons voir. Oh que c'est joli, c'est joli, ils ont bien rasé là. Donc ici là. Normalement là sur un bas-côté comme ça là, bah il y a plein de fleurs hein, au mois de mai. Hein. Mais par contre ici qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, faut y penser. Ah, faut y penser que faut broyer là. Ah bon? C'est bizarre quand même de broyer cette période de l'année. Hein. Et puis ici là il y a des plantes. Y a vraiment des plantes européennes. Hein. Des lianes typiquement européennes. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux lianes? Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Qu'est-ce qu'ils ont fait les gars là? Ils ont coupé. Ils sont venus exprès. C'est pas par inattention. Donc ils ont fait des graves blessures à ce chêne. Je mets mon pied pour l'échelle. Hein. Genre 50 cm de diamètre de tronc. Et ici là, il y a un lierre. Voyons voir ce qu'il y a. Comment il est ce lierre là? Comment il est ce lierre là? On va voir. Ici dessous là, c'est pas évident à trouver. Là. Ah ouais d'accord. Ah mais dis donc, hein, ils ont bien travaillé les gars, on va voir. On va voir là ici là. Ah ouais, ah bah dis donc. Hein. Je mets mon doigt pour montrer l'échelle là. Un beau lierre qui grimpait là, au chêne. Alors le chêne il était blessé, hein. Très gravement blessé. Hein. La sève ne circule pas au-dessus, puis là il va mourir. Hein. Alors on voit le lierre qui est le gros lierre hein, qui montait, hein, qui donnait plein de nectar pour les abeilles. Donc on voit que le chêne meurt, le lierre meurt, tout meurt. Allez, allons un peu plus loin. Bon, pareil là, c'est sans fleurs. Hein. La bordure là, sans fleurs. Là, il y a un gros chêne aussi. Hein. Un magnifique chêne ici, là, bon. Ah, ils font des blessures chaque année ici quand ils passent hein, avec l'engin. Chaque année, ils font des blessures. Ils raclent, ils raclent, des raclures partout. Ouais, il n'est pas blessé celui-là, c'est bizarre. Ouais, mais il y a des cicatrices là. Il y a eu des anciennes blessures. Et puis là, nous avons la bordure, pas la moindre fleur, hein. Pas la moindre fleur, rien, voilà. Donc ici, là, ce qu'ils aiment, les gars, c'est ça, là.
simple. Une bordure de route simple, sans rien. Et puis là, nous avons réserve de chasse et de faune sauvage. Là, ici. Et ici, nous sommes le 18 mai. Hein. Ben, il a été fait ici une fauche. Ça fait quelques semaines qu'elle a été faite ici, la fauche. Donc ici, il ne faut pas une fauche tardive, il faut une fauche précoce. Je ne sais pas pourquoi, là. Je ne sais pas s'ils vont faire des meules de foin. Parce que des fois, en fait, ils font des fauches. Puis ils laissent le foin, là. Comme ça, ils laissent le foin par terre. Donc on voit, en fait, qu'ils ont coupé ben, ce qu'il y avait au milieu, là. Ce qu'il pouvait y avoir. Des fleurs, des marguerites. Voilà, ils coupent tout. Du trèfle, etc. Tout ce qu'il peut y avoir de joli, ici, ils le coupent. Donc, destruction de la nature ici, sur ce lieu.